Bonsoir, le temps était toujours hivernal sur le pays aujourd'hui, avec des pluies verglaçantes dans le nord qui se poursuivent d'ailleurs ce soir de la Belgique jusqu'à la Bourgogne, encore jusqu'à demain matin, avec des sols qui s'annoncent très glissants. La vigilance est maintenue jusqu'à ce dimanche à 10h. Pour les prévisions de demain matin, de la grisaille quasiment partout, quelques bruits inattendus pour le nord et pour l'ouest, quelques flocons du massif central aux frontières de l'est, et puis davantage de soleil des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée. Mais Mistral et Tramontane souffleront fort, d'ailleurs ils vont perdurer en cours d'après-midi, mais avec un temps toujours ensoleillé, ailleurs de la grisaille presque partout et quelques bruines de temps à autre pour assurer une atmosphère très humide. Les températures de votre dimanche matin, comprises entre moins 5 degrés à Tarbes et plus 8 du côté de Cherbourg, encore dégelées pour le sud et pour l'est, mais globalement moins fortes que les jours précédents. Et puis l'après-midi, température qui repasse partout dans le positif, même si il ne fera pas plus de 0 degré à Besançon, 1 degré à Strasbourg, mais quand même 6 pour Paris, entre 9 et 12 pour le nord-ouest et 14 degrés pour Ajaccio. Votre lundi sera une journée toujours grise sur la plupart des régions, un peu de grisaille toujours présente et puis toujours du soleil davantage entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée, du vent près du golfe du Lion et les températures grosso modo stationnaires avec toujours davantage de froid pour les régions de l'est. Pour mardi, perturbation qui va cette fois-ci traverser le pays, des pluies soutenues attendues dans le sud-ouest, ça deviendra de la neige sur les reliefs de l'est ainsi qu'en direction du massif central et les Pyrénées, c'est une bonne nouvelle pour les stations. À l'arrière, un ciel nuageux et les températures vont gagner quelques degrés, principalement dans l'ouest. Pour mercredi et pour jeudi, un temps toujours très gris sur la plupart des régions, quelques gouttes de temps à autre, quelques flocons en montagne, température moins froide que précédemment. Et puis enfin pour vendredi et pour samedi, peut-être un temps plutôt agité et instable, avec quelques giboulées attendues principalement dans l'est du territoire, des flocons toujours en montagne et des températures à peine de saison et tout à fait dignes d'un mois de janvier. Demain, nous serons le dimanche 8 janvier, nous fêtons les Luciens et c'est l'Épiphanie. Une minute de soleil en plus à prévoir. Bonne soirée à tous, très bon dimanche et à demain.